Le mercredi 1er avril 2015, c'est la fin des quotas laitiers. Vous pensez que c'est une farce? Eh bien non, pas du tout. En 2015, on compte environ 70 000 éleveurs laitiers répartis sur toute la France. Avec la fin des quotas, leur situation va s'aggraver. Il n'en restera sans doute plus que 20 000 en 2035. Avant, la production européenne était gérée sur chaque ferme et dans chaque État membre. Maintenant, chaque pays fait ce qu'il veut, sous le contrôle des laiteries. Les producteurs sont menacés et l'Union européenne est divisée. Les agriculteurs européens sont mis en compétition. Pour lutter contre la volatilité des prix, pour éviter la surproduction qui entraîne une offre supérieure à la demande, pour éviter la chute des prix du lait qui ruinerait les producteurs laitiers, nous devons réguler la production. Les éleveurs de l'OPL demandent au commissaire européen Phil Hogan de mettre en place des outils de régulation des marchés pour garantir des prix rémunérateurs et permettre à la nouvelle génération de vivre dignement de son métier. Rejoignez-nous.